Sécurité avant nous. Bon, bah bonjour, c'est Stéphilou, maintenance électrique, bien sûr. Bon, bah, toi de neuf, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, quoi. Bon, là, on est sur un chantier, là, toujours attaché à l'agence de Saint-Brieuc, quoi. Donc, bon, voilà, il y a Florence qui fête ses 1 an de boîte, là. Elle nous fait chier tous les matins parce que bon, elle arrive de bonne humeur forcément en chantant du je sais pas quoi, du Winona Ryder ou je ne sais quoi. Là, elle réveille tout le monde à l'agence, ça emmerde d'abord le patron, hein. Plus que moi, hein, bien sûr, parce que moi je suis chef d'équipe, hein, évidemment, et puis bon, voilà quoi. Et puis bon, là on est avec Jean-Baptiste. Bon, Jean-Baptiste, je sais pas ce qu'il fait tous les matins, je lui dis. De pas arriver au costard, hein, en costard, hein, au boulot, parce que c'est pas une tenue réglementaire déjà pour l'agence. Hein, et puis au niveau sécurité, sécurité avant nous, bien sûr. Alors je sais pas ce qu'il nous racontait ce matin. Il nous racontait des fake news sur le Vatican et la prolifération des ratons laveurs à Tokyo, hein, je sais pas. Je lui ai dit, hein, si tu continues comme ça, tu vas finir présentateur de la matinale sur France 2. Tu vas voir. Hein, tu vas vite changer d'agence. Bon, bah sinon, Denis, il n'est pas là aujourd'hui parce que, bon, il en a une maladie. Hein. Bah, il a bouffé un kebab qui n'était pas très frais. Et puis, bon, bah voilà. Il a décidé de laisser sa place à Florence, hein. Hein, qui fait bien son taf, mais bon, voilà, ça fait un moment qu'elle a décroché, elle aussi. Hein. C'est pas le tout d'avoir de la voix, faut aussi avoir de la gueule. Hein. Bon. Enfin, je veux dire, sur le terrain, avoir des mains, quoi, je veux dire. Hein. Et puis, bon, bah, sinon, on a une équipe. Hein, qui s'embrassent tous les matins, hein. Quand certains brassent de l'air. Hein. Enfin bon, ça c'est classique, hein, dans une agence comme la nôtre. Hein, je ne ferai pas des dessins. Hein. Le patron d'ailleurs, il nous appelle les brasseurs d'air, hein, en référence à l'acteur, hein, Georges Brassens. Hein. Hein, parce qu'on nous dit tout le monde qu'on est des comiques, hein, mais nous tous les matins. À 10 h, on est sur le chantier. Hein. Ça y est, pas d'erreur. On est toujours là pour réparer les conneries des autres. Hein, voilà. Non, parce que l'autre jour, je parle de Florence, elle est sympathique, mais bon, l'autre jour, elle est entrée dans le local électrique, hein, toujours le même, à l'agence de Saint-Brieuc, hein, près de la mairie. Et puis bon, elle a voulu changer une ampoule, quoi. Hein. Et puis bon, elle s'est trompée de voltage. Elle a mis une LED, le patron il a vu les économies que ça faisait dans la boîte, il n'a pas été content. Il lui a dit de rajouter une lampe à filament, quoi, parce que ça consomme plus, et puis comme ça on gagne plus de pognon, quoi. Toujours la même histoire. Bon, bah, là, sinon, dans l'agence, c'est toujours le bordel, quoi. On a toujours des PC qui fonctionnent mal et qui rament, hein. Quand nous on rames. On est tous dans le même bateau, hein. Vous avez compris, bien sûr. Et puis bon, là, Saint-Brieuc, là, je vous dis, le temps il est pas bon là, parce que bon, ça flotte. Et puis je veux dire, les installations là, électriques avec la flotte, elles ont beau être dans des bunkers, hein, ça s'infiltre toujours par là-dessus. Hein. Sans parler des nappes phréatiques. Hein. Tiens, en parlant de nappes, justement, la dernière fois, on est allé au resto avec Florence et puis Jean-Baptiste, quoi. Ah bah, ils ont bouffé une côtelette. Hein. Bah, ça leur a plu. Hein. On est sorti du resto à 15 h. Je ne vous raconte pas les retards qu'on a eu sur le chantier. Voilà. Ça s'est fait, ça. Hein, mais bon, tout a été fait normalement. En temps et en heure. Oui, parce que les heures c'est important et puis surtout ça fonctionne à l'électricité. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que bon, Florence, les 1 an, elle va les fêter
chez elle, quoi. Voilà. Au chum du coup. Quand quelqu'un chute, ça c'est facile.